Bonjour, bienvenue sur netpreuve.fr. Nous allons faire un lapin de Pâques. Pour cela, il nous faut un carré de 20 cm et un carré de 14 cm. Nous allons faire le cœur du lapin sur le carré de 20 cm. Vous pliez la diagonale de votre carré et l'autre diagonale. Puis, vous pliez votre carré en deux. Pareil de l'autre côté. Vous ouvrez votre carré. Vous ramenez ce trait-là vers vous, comme ceci. Ce trait ici, vous le rabattez derrière vous, comme ceci. Vous faites la même chose, vous aplatissez et vous faites une légère pression de façon à ce que ça vous donne ceci. Vous ramenez la pointe vers le haut. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous retournez votre modèle et vous faites pareil, la pointe vers le haut. Et pareil pour l'autre côté. Vous ramenez cette petite pointe au centre. Un tout petit peu plus loin, comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous retournez votre modèle pour refaire pareil. Voilà. Vous pliez cette petite pointe le long. Voilà. Vous ouvrez la poche pour rentrer la pointe à l'intérieur. Vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Vous repliez la pointe en dessous de l'autre pointe. De façon à ce qu'elle rentre bien en dessous. Vous faites la même chose de l'autre côté. Nous allons former les pattes du lapin avec cette pointe-là que vous allez plier comme ça. L'autre côté, pareil. Vous allez, soit que vous soufflez ici pour gonfler le cœur, ou soit que vous appuyez légèrement en formant le cœur. Voilà le cœur
de notre lapin. Nous allons faire maintenant la tête. Vous pliez la diagonale de votre carré. Vous pliez votre carré en deux. De l'autre côté aussi. Vous ramenez ce trait-là devant vous, puis vous pliez cette partie-là. De même de l'autre côté. Vous ramenez la pointe vers le haut. Pareil de l'autre côté, comme ceci. La petite pointe, vous la ramenez au centre. Pareil de l'autre côté, qui nous donne ceci. La petite pointe, vous la pliez en deux. Vous faites pareil pour l'autre pointe, comme ceci. Vous ouvrez les deux poches de gauche et droite de façon à rentrer les pointes à l'intérieur des poches. Vous retournez votre modèle, vous ramenez le triangle au centre, de l'autre côté, pareil. Vous pliez l'oreille gauche du lapin de façon à ce que ça forme un triangle et vous faites pareil avec l'oreille droite, comme ceci. Vous pliez la pointe au niveau de cette pointe. Pareil de l'autre côté, ce qui vous donne ceci. Vous surélevez un peu les oreilles. Soit que vous soufflez dans ce petit trou, ou alors vous travaillez votre lapin en faisant de légères pressions sur les chaque point. Voilà, votre lapin terminé. Vous mettez un peu de colle pour pouvoir coller la tête sur le dessus. Puis, pour finir votre lapin, vous pouvez y coller deux yeux avec une perforatrice, faire une étiquette en mettant votre prénom, votre nom, avec un petit collier découpé avec un ciseau. Et voilà votre lapin terminé qui ferait une belle déco sur votre table. À bientôt sur netpreuve.fr.